Hello. Bon, avec quoi tu pêches là? Oh, du classique verre de sable. Verre de sable? Ouais. Qu'est-ce que tu prends comme montage là, cette période? Deux fois deux en pile, entre 1 mètre et 2 mètres. Le plus souvent, je fais du 2 fois 1 mètre 20 à peu près. D'accord. Sur l'habitude. Ok. Pas de perles, rien du tout, simple, pêcher au fond. Et puis voilà, 14 centièmes dans le moulinet. Yes, donc c'est que ça part. Voilà, histoire que ça parte un peu bien. Ouais. Des plombs phospho pour faire plaisir, c'est de les voir passer, relancer. C'est toujours sympa. Mais oui. Parce que ça attire pas forcément l'œil du poisson aussi. Oh, ça attire beaucoup le pêcheur. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ça peut attirer le poisson, on sait jamais. Allez, on leur met un petit coup d'UV. C'est parti. Ben ouais. En espérant qu'il se rapproche au cours de la nuit, ça serait bien. Donc là, on est sur la plage de Marseillan. Ouais. On est dans le centre de Marseillan, pas loin de la digue. C'est à côté du port. Voilà. Et ben du coup, on se retrouve là avec Jérémy. Hein. Comme à chaque fois que je descends dans le cap, on essaye de se faire une partie de pêche ensemble. Et puis voilà, hein, on va passer un petit moment de la nuit ici pour voir ce que ça dit. Allez. Bon, moi ce que je vous dis, c'est qu'il a déjà fait un poisson. Hein. Il va peut-être nous le montrer s'il est généreux. Attention. Faut pas le dire. Bon, allez. Il n'y a pas de poisson. Allez. C'est un petit marbré de 27. Magnifique. Ça commence bien au premier lancer. Hein. Je sais pas si ça porte bonheur ou malheur ça. Hein. On est encore en marée haute, allez, faut croiser les doigts. Let's go! Bon, ben, je viens de raccrocher la caméra et finalement, il s'avère que Jérémy ment. Voilà, apparemment, il y a du poisson ici. Voilà, et ça a l'air plus joli par contre, vu la courbure de la canne. C'est que la canne est plus souple. Ah, pardon, c'est que la canne est plus souple. Bon. Ben, c'est peut-être un peu plus joli quand même. Ben, moi, j'ai une touche là-bas au fond aussi. Ben, vas-y. Ben non, chaque chose en son temps, Jérémy. Hein. Le poisson n'attend pas, Chris. Écoute, des fois, ça attire les autres poissons. Hein. C'est sur quoi que t'as une touche au verre de sable? Verre de sable, tiens, regarde, tu vois, celle du fond. Ouais, verre de sable, et j'ai mis une perle flottante avec un mouron au coude pour voir s'il y avait du pélagique, macro ou gascon. Ouais, ça peut arriver qu'il y ait du petit gascon, ouais. Faut pas très très gros par ici. Ouais, c'est juste histoire de s'amuser, mais écoute, ça touche là-bas. Je pense que le poisson est piqué. On va voir. Moi, je pense que c'est un beau poisson hein, que tu as là. Je sais pas. On verra. Il y a un peu plus gros que l'autre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ou alors il y en a deux qui sont pas gros. Ah, parce que t'as un deux en pile là. Ouais. Je pense que c'est bien qu'il existe un peu plus. On est quand même gâté là hein, pour ce mois de novembre parce que les conditions n'étaient pas annoncées comme ça et franchement, c'est un régal. Allez. On va essayer de le voir arriver avant. Marbré. C'est un marbré ça, oui. Marbré. Oh, un pajot. Un pajot à carnet. Magnifique. Ça c'est beau. Et bien encore une autre espèce. Tu l'as pris au mouron cette fois-ci. Ouais. Bravo. C'est bien, il m'a laissé mon verre de sable. Bravo, bravo. Allez, moi je vais voir ma ligne. Allez. Et voilà mon premier poisson. Un petit pajot à carne. Voilà. Ça me rappelle la pêche que j'avais faite à Saint-Pierre. Donc là c'est un beau spécimen pour l'espèce. Donc pris au verre de sable. Allez, c'est parti, on va relancer. Encore une touche pour Jérémy, une belle touche à revenir. Ça, la canne s'est vraiment relevée sec. C'est pas bon.
Ah, c'est bien revenu, elle est vraiment détendue et après c'est revenu légèrement et voilà. C'est vraiment pas gros. On a fait ça, c'est le premier marbré d'ailleurs, ça même. Ah oui? Possiblement marbré alors. Ouais, bah, là je sens plus rien. Soit il nage vers moi, soit il nage vers moi. Ouais. Ah si. Ouais. Alors disons c'est un pin. Il nageait avec toi ou quoi? Ouais. Puis alors à mon avis. C'est le plus gros de la soirée. Le marbré, le record de France, elle est pas là. Hein. Eh, hey, c'est quoi une dorade ça, non? Ou marbré? Marbré? Ouais, c'est pas si vilain, hein? Non, c'est un pajot. C'est un pajot? Ouais. Tu vas retourner à l'eau? Peut-être pas. Il est pas si vilain que ça. Il est joli, ouais. Peut-être les voisins se rencontrent. Ça m'a détendu la canne. Un sacré coup là. Rapproche-toi s'il te plaît. Il m'a mis un sacré coup là. Il y a quelques-uns qui sont jolis. Hein. Dernière fois on en a fait 37, 35. Des marbrés ? Ouais. C'est pas tout à fait ici, mais bon en ce moment c'est la saison. Faire mon premier marbré possible. Il va repartir aussi sec à l'eau. Joli, joli pajot. Allez, va-t'en, viens. Wow, cette cartouche. Ah, il y est pas. Il y est pas? Non. Oh merde. Oh la cartouche qui t'a mis là. Impressionnant. Regardez les appâts parce que il y a quelque chose qui s'est
c'est pas ce qui m'a... Ouais. C'est lourd. Ah, il est peut-être revenu quand il a fait la touche. Hein. Ouais, c'est un peu chaud. Possible aussi. Ah, il a mis une belle tape. Ouais, il a déroulé le frein. Ouais. Bien, je ne sens plus rien de nouveau. C'est celle qui t'avait mis en bordure? Mystère et boule de gomme. Nous allons savoir dans quelques secondes. Ça se bat pas, ça va. Là, ça y est. Je te réveille, je dis ah, je peux te faire attraper. Ah oui? Oh! Mais dis donc, là il t'a mis un sacré coup de tête là. Non, tu l'as perdu? Ouais. T'es sûr? Ouais. Oh merde, il t'a mis une espèce de rush, il t'a pas pété au moins? Non, je pense pas, j'ai perdu devant là. Oh merde, ah oui, il t'a mis un beau rush là. J'ai été obligé de sortir le frein parce que j'étais voulu. Eh mais dommage, parce que ça c'était un beau poisson je pense. Ouais. Hein. Une doradine. Ah ouais, tu crois? Ah, c'est doradine, non? Marbré, oui. Un joli marbré. Marbretto! Joli. Super. On va le mettre droit. Ah, putain. Sur les verres? Ouais, les verres de sable. Ah, un joli marbré qui doit faire... pas loin de 28. C'était loin, poulet, ouais. 27-28. Très joli. Bravo. Bravo Cyril. Joli poisson. Ça fait plaisir. Hein. C'est parti. C'est sur quel appât? Là j'ai deux verres de sable en bas et en haut j'ai un mix moron sèche. C'est assez fin tu vois.
un doublé de pajot. Un doublé de pajot, joli. C'est pour ça que c'est plus lourd. C'est joli, hein? Ouais. Ah oui, belle couleur. Il est joli. Allez chercher le dégorgeoir. Et il y a le petit derrière, pareil. Ça va être la même, ça va être dégorgeoir. Bon alors, cette besace. Ah ouais, il y en a quelques-uns. Ouais, t'as principalement que du pajot et après un marbré, un joli marbré de 30, combien t'as dit, 32, 33 33, ouais. Ah, joli. 33 et deux marbrés décrochés. Purée. Ils sont malins, c'est con. Ouais, ils sont malins. Nickel. Ça, c'est propre. Allez, on continue. Eh ben, enfin. Bravo Christophe. Sans le marbré, il est quand même pas mal. On va faire 32, 33. Un joli marbré. Puis au verre de sable. Ça fait du bien. Bravo. Magnifique. Allez, on va relancer. Allez, deuxième marbré pour moi. Cette fois-ci, je le fais au couteau. Donc, il est un peu plus petit que l'autre. C'est un marbré qui doit faire pas loin de 30. Voilà, donc un beau petit poisson. Hop là, magnifique. Il a bien engamé le couteau. Allez, on va remettre un couteau, c'est parti. Magnifique poisson. Superbe, ça fait plaisir. Allez, encore une autre espèce de validée. Un joli petit vendangeur. Voilà, pris au verre de sable. C'est vraiment mignon. J'en fais très rarement en plus. Et tu vois, il s'est décroché tout seul comme un grand. Allez, on va remettre une hêche. Et on va relancer. Voilà, ça fait pas loin de 20 cm. C'est un joli pour l'espèce. C'est plutôt joli. Belle couleur. Magnifique. Ouais, c'est bien loin. Putain. Et là, pareil, j'ai lancé par-dessus la tête. Ah ouais, sûrement, ouais. Ah ouais, ça avait des beaucoup de têtes là. Ouais,
Un marbré, un petit marbré. Un marbré ? Ouais. Et tu sais sur quoi il a pris ? Sur le mouron. Oh là 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 là. Regarde. La crise de rire. Et voilà. Un beau petit marbré. Ça va faire quoi, 25-26 ? Voilà, qui a pris sur le mouron. Donc tu pêches au ver de sable, tu prends des pajots. Des pajots, tu pêches au mouron, tu prends du marbré. Bon, mais ils sont là. Allez, je pense que ça va être un des derniers poissons. Il est quand même 3h du matin. On a commencé à 19h, ouais, 20h pour moi. Donc ça fait quand même une session assez longue, mais plutôt fructueuse finalement. Avec pas mal de pajots et bien sûr du marbré. Deux rougets, une dorade, enfin deux dorades, une petite et une un peu plus correcte. C'est vraiment, vraiment plaisant, ça change d'ambiance quoi. Ouais. Que va-t-il nous sortir ? Peut-être encore un rouget ? Ouais. Je parie sur un pajot, allez. Pajot ? Oh ouais, à mon avis. Allez, regarde, hop, il arrive. Pajot. Non, marbré ça, c'est un petit marbré, non ? Pajot. Pajot, pajette ? C'est un marbré, mais c'est quoi? Un marbré? C'est un marbré, mon ami. Ah ben tu vois tes mauvaises langues. Ah ouais. Bon allez, celui-là, on va lui rendre sa liberté. Hein. Ah, il l'a avalé. Il l'a avalé. Il l'a avalé. Donc là, tu l'as pris au ver de sable. Ouais. Ver de sable, toujours encore. Le ver de sable. Libérer le marbré. Pour qu'il retourne nager. C'est ça. Une très belle chanson pour la fin de la vidéo. Il vivra pas. Tu crois ? À mon avis. Il a pas aimé. Il faut pas qu'il soit en très grande forme. 25. 25. 24, 25. On va essayer quand même de le relâcher. Allez, parce qu'il est quand même vivace. Ouais. Hop, c'est dans l'autre sens, petit marbré.